Moi, je m'appelle Clara Lang-Ezekiel, je suis artiste plasticienne. Puis là, du coup, grâce à Montmartre, j'ai la chance de pouvoir présenter un atelier sur le thème de la bande dessinée au féminin à un groupe d'élèves de collège. Ce qui est super, c'est qu'on peut vraiment utiliser des matériaux comme on utiliserait pour créer une bande dessinée, donc des encres aquarellables, des pinceaux de bonne qualité, des Posca, des feutres Micron, enfin vraiment le matériel qui servirait vraiment à une bande dessinée. Et on s'inspire de la super bande dessinée de Pénélope Bagieu qui s'appelle Les Culottés et qui du coup, par petits chapitres assez courts, présente un nombre assez important de femmes à travers l'histoire. Et on s'inspire de ça et du coup chaque élève choisit une femme pour représenter une femme qui les inspire en une page de bande dessinée qui sera illustrée par étapes au crayon à papier avec l'encre aquarellable et ensuite au feutre Micron. Celui qui présente ses petits défis. Donc on a une majorité de garçons dans le groupe et c'est pas toujours évident pour les garçons d'immédiatement trouver une femme qui les inspire. Donc voilà, on a eu un petit travail en début de séance de convaincre tous les garçons qu'effectivement on devait forcément arriver à trouver une femme qui allait nous inspirer. Donc on pouvait faire une histoire. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui ont fait leur mère et d'autres qui sont allés chercher un petit peu plus loin dans l'histoire. Et du coup, on a une belle diversité d'histoires qui vont être représentées dans notre bande dessinée finale.